Ouais, tu regardes la nuit, le début, elle est normale. Ah oui, et après, au fur et à mesure, ils vous demandent tout ce comme ça. C'est pas du tout difficile à la base. Bah ouais, après, du coup, il fait du fan service, je pense que c'est son plaisir aussi. C'était deux passions réunies, t'as la musique, ouais. Et le dessin, c'est excellent. Pour faire venir les gens. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier. Ah, c'est mignon. Son propre design, du coup, ça. Ouais, ouais, c'est orange crayon, là. C'est cool, hein. Les origines. J'avais remarqué que souvent, quand il y avait des ateliers pour enfants, on leur apprenait à faire des dessins qui rendaient bien, qui étaient classe, mais qu'en fait ils étaient incapables de reproduire une fois chez eux parce qu'en fait ils comprenaient pas comment ça marchait et pourquoi. Du coup j'ai essayé de faire plus de méthodologie en fait, plus de poser des sortes de méthodes en leur apprenant plus des systèmes de d'ossature ou de squelette, mais très très simples, un peu en bâton, sur lesquels en fait ils pourraient à partir desquels en fait ils pourraient faire bouger des personnages et les articuler. Du coup là ils ont compris la technique qui était hyper hyper simple et ils ont réussi à l'assimiler assez vite pour faire des poses plus variées et surtout comprendre comment y arriver quoi. Et j'avais peur que ce soit trop compliqué en fait et pas assez ludique pour eux. Et en fait ça va, c'est cool, ils se sont bien amusés dessus. Si votre personnage veut montrer qu'il est fort, il va plutôt faire ça. Et du coup vous pouvez très bien toujours rester appuyé sur votre crayon et essayer de tracer votre trait pour essayer de former le rond que vous souhaitez. Si jamais vous allez un petit peu n'importe où, bah, c'est pas grave, vous repassez comme ça et vous allez finir par avoir la forme que vous voulez vraiment atteindre. Florian m'a demandé de dessiner pour lui il n'y a même pas 3 mois. Ça s'est super bien passé, du coup il y a un super bon feeling avec Florian, il aime bien ce que je fais et moi j'aime bien son esprit d'initiative et d'entreprise. Du coup ça matche bien quoi, ça matche bien. Il y avait un thème en particulier, c'était l'aventure. Et donc j'avais quand même carte blanche sauf la contrainte de l'aventure. J'ai opté pour quelque chose en couleur parce que Florian me demandait quelque chose en couleur aussi. J'ai utilisé plusieurs techniques en fait, hein, du stylo ou du crayon de couleur. C'est des techniques assez libres. Hein. J'ai besoin de trouver un outil où je sens que je crée quelque chose, que je raconte quelque chose ou que je dessine quelque chose. Voilà. Mais souvent, comme beaucoup de mes dernières histoires, bah, j'aime bien dessiner des aventures plutôt amoureuses. Un quoi ? Un lâcher énorme ? Je suis un peu lâché. On verra. Ouais. Mais pourquoi t'as voulu faire des études dans l'art ? En fait, tu sais, t'as une... C'est par élimination déjà ou c'est par... Non, ça m'a pris comme une envie de... Il y a un moment chic. Ouais, un moment chic. Ah, c'est intéressant ce que tu fais. Thank you.
En animation. Ouais, totalement. Les grosses bêtes, c'est les filles. Enfin, c'est pas le mot juste, mais... Mais pourquoi tu me... C'est bon ça. Ah mais Tom, t'es pas mort. T'avais un louis. C'est bien Tom, c'est Tom qui panique, c'est un truc de ouf quoi. Et c'est... Je t'ai communiqué ma panique je crois. Ah, c'est collector. C'est à dire que je suis foutu. Non, 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 je suis pas d'accord. Oh là là, La cantine. Demi-pensionnaire. Demi-pensionnaire à vie. Ouais putain c'est cool l'obsession. Je suis bien chaud pour bien manger. Magnifique, hein, j'adore les détails. Ouais. Les personnages et les jolis. Musique, ouais. Vous voyez ou pas? Non mais si. Vous voyez à moi. Ah si. Ah, si. Il y avait marqué Julien. C'est les mêmes prénoms qui reviennent, on sait, les 17h c'est Julien, Vincent et Thomas, quasiment, c'est que des prénoms comme ça. D'ailleurs nous on a un Thomas et un Vincent déjà, tu vois. Et un Julien, d'ailleurs on a les trois prénoms, mais c'est pas le même. Tu prends de la grandeur aussi. Ouais, j'arrive tout de suite, hein. C'est un petit documentaire animalier, avec un chat. Homemade. Ah c'est animalier. Ouais. Bon, les deux meilleurs clients du Shonen Jump et de Cambrou, ça. Big up, big up, big up. Ça. Un livre, 5 ici. Ouais, d'accord. Et une encre de Chine, deux encres de Chine.
D'accord. Ça c'est quoi? Un poster? D'accord. On va passer à la télé. Steak de panda. Ah oui, tu passes à la télé. Ah ouais, cool. On est vraiment en train de passer à la télé? Bah oui. Coucou, et je passe à la télé. Ouais. Oui, je suis. T'as 5 heures.